Et nous commençons par la plus belle des saisons, à savoir l'été. C'est pas du tout l'été, mais Ouais. c'est l'été. Et aujourd'hui, nous sommes pas du tout dans le Nevada, comme je vous en avais parlé. Nous ne sommes plus non plus en Suède, comme nous l'avions été au premier scénario. Nous sommes en Angleterre. Et plus précisément, nous sommes à l'est de l'Angleterre, dans la région de Norwich, dans un endroit qu'on appelle The Broads, qui est un parc naturel, à l'est de l'Angleterre. Près d'une petite ville qu'on appelle Great Yarmouth, une petite ville côtière, toute simple, qui vit de l'activité de la pêche et du commerce avec l'Europe du Nord, essentiellement, mais qui vit également parce que le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de la Nourriture a construit il y a quelques années, sur le modèle des centres américains et suédois, un LOOP, c'est-à-dire un centre de recherche scientifique. Officiellement, c'est un centre qui est là pour essentiellement des recherches autour de l'environnement, l'agriculture, etc. Mais il est de notoriété relativement publique, au moins dans la région, que ce centre de recherche ne fait pas que de la recherche environnementale, mais que d'autres technologies un petit peu plus obscures sont étudiées au sein, dans les entrailles vraiment de ce réacteur, de ce centre de recherche. Et de temps en temps, on peut voir certains des effets un peu étranges. Parfois, la nuit, par temps clair, on peut voir au large de la mer du Nord des petites lumières. Alors certains mettent ça sur le compte de feux follets ou d'éclairs ou de choses comme ça. Mais d'autres personnes supposent que ce sont peut-être des inventions étranges qui sont créées dans ce centre du Loop anglais. En dehors de ça, la région est somme toute plaisante. C'est un grand parc naturel avec des rivières, plusieurs plans d'eau. Et puis pas mal de champs, hein, puisque c'est quand même une région relativement agricole. Donc vous, enfants, avez grandi ici et vous avez pris l'habitude de vous promener régulièrement à travers la campagne anglaise de la région. C'est l'été, il fait chaud. Il fait pas très très chaud, on reste en Angleterre, mais il fait chaud quand même, hein. Il fait un bon 25 degrés. Vous avez, pas non plus super habitué aux températures élevées. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas habitué, c'est que la plupart du temps il fait quand même relativement humide et comme vous êtes près de la mer, il y a souvent du brouillard. Mais là, l'été, en plus cet été, il fait particulièrement chaud. Benny, notre cher Benny, est arrivé dans la région il y a quelques mois avec ses parents. Parce que Benny, alors je ne sais pas si elle a grandi là-bas, elle nous le dira elle-même, mais a vécu en tout cas pendant un moment en Suède, puisque ses parents travaillaient dans le Loop de Suède jusqu'il y a quelques mois et ont été mutés au Loop anglais il y a quelques mois. Comme ils y sont arrivés il n'y a pas très longtemps, ils sont encore en train de rencontrer les gens et du coup le Loop organise régulièrement des petits événements avec ses employés, en tout cas ses nouveaux employés. Et vous êtes, Benny, tu as accompagné tes parents à une espèce de petite réception. Au bord du lac, qui s'appelle le Riverière. Alors, c'est pas un lac, c'est un bassin. Mais vous avez fait une petite. Fais attention quand tu parles de lac. Oui, je sais qu'on a un expert, alors du coup, je ne me permettrai pas de prononcer des choses complètement fausses. Donc, le Loop a organisé une espèce de rencontre entre les familles des différents employés, pour que chacun apprenne un peu à se connaître, même si ça fait quelques mois que les parents de Benny travaillent au Loop. C'est l'occasion de célébrer l'arrivée de l'été à travers ce petit pique-nique. Et donc tout le monde s'est réuni autour du lac. Et en plus de Benny et de ses parents, alors c'est les parents de Benny n'étant pas les parents les plus proches de leur enfant de la terre, ils ont laissé Benny dans un coin et puis ils sont allés discuter un peu avec les autres employés. Mais bien heureusement, en plus de Benny, nous avons Charlie. Joué par Flav, qui est venu avec sa mère, qui travaille également au Loop. Et puis, bah, comme Charlie et Benny, vous êtes déjà rencontrés à plusieurs occasions, parce que déjà vous allez dans le même collège, et parce qu'en plus vos parents travaillant plus ou moins ensemble, vous êtes déjà rencontrés. Vous vous êtes réunis, dans ces festivités. Alors, il y a un peu à boire, il y a un peu à manger, il y a des enfants qui jouent dans le lac. Il y en a qui jouent à la balle. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il y a aussi des vaisseaux, ce qu'on appelle des vaisseaux à magnétrine. Alors l'effet magnétrine, c'est un effet qui a été découvert dans les années 50 dans l'univers de Tales from the Loop, qui permet en fait de faire léviter des objets sur le champ magnétique terrestre.
Et c'est ce que vous voyez, les espèces de disques sous les vaisseaux, qui sont en fait des disques qui permettent de, voilà, de se poser sur le champ magnétique. Charlie, notamment par tes différentes études technologiques que tu as pu faire, tu sais que cet effet est beaucoup plus présent dans l'hémisphère nord, principalement parce que en fait, plus on est au nord, plus l'effet est marqué, et donc les vaisseaux à magnétrines marchent beaucoup mieux dans l'hémisphère nord, tout simplement parce qu'il y a plus de terre dans l'hémisphère nord, alors que dans l'hémisphère sud, les terres de l'hémisphère sud ne sont pas assez proches du pôle pour vraiment avoir une utilisation de cet effet-là. Mais régulièrement, c'est pas quelque chose de rare hein, pour vous. Vous voyez ce genre de vaisseau qui passe, et là, en l'occurrence, qui s'occupe de sortir des vieux objets, des vieilles carcasses du lac, parce que de temps en temps, on retrouve des vieux débris de technologie un peu ancienne dans ce lac, et ces vaisseaux sont là pour faire ça. Charlie, Benny, vous êtes au bord du lac. Il y a la mère de Charlie qui est dans le coin aussi. Que faites-vous ? Je te le dis, Benny, un jour je travaillerai au loop. Ah ouais, ça te dit vraiment Bah oui, bien sûr. Ça te dit vraiment travailler là-dedans ? Bah sûr. Enfin, tu crois ? Il y a plein d'expériences ici, ça doit être incroyable. Moi, je pourrais tester enfin toutes mes expériences, comme ça, à la vue de tout le monde, et je serai hyper connu. Toutes mes expériences seront maintenant à la vue de tout le monde, et je pourrais aider la planète. C'est bien. Bah, juste, fais pas trop d'amis et t'accroches pas trop aux choses, parce que souvent, tu seras envoyé ailleurs. Bah, justement, c'est trop bien d'être envoyé ailleurs. Tu rencontres d'autres personnes, tu peux expérimenter d'autres choses. Et puis, moi, je m'en fous d'être coupé des gens. Hein. Du moment que je peux faire mes inventions. Même si je te revois pas demain, c'est pas très grave. Hein. Oui, j'imagine. Tu veux un jus de raisin ? Ouais, je veux bien, ouais. Tu peux m'en apporter un ? Je regarde. D'accord. Quand tu dis ça, justement, il y a la mère de Charlie qui revient, qui en fait, justement, aller chercher un peu des victuailles. Donc, elle a ramené une petite bouteille de jus de pomme et une petite bouteille de jus de raisin. Et puis, une assiette avec quelques biscuits. Et elle arrive vers toi, elle fait « Ah, Benny, pas la peine, ne te lève pas, j'ai amené ce qu'il fallait. Pose-toi, ça me fait plaisir de pouvoir passer un petit peu de temps avec toi. Je sais, on s'est croisés plusieurs fois, mais je voulais prendre un peu aujourd'hui le temps de savoir qui tu es, Benny, d'où tu viens. Tu es arrivé il y a quelques mois, c'est ça Charlie m'a dit que tu étais arrivé dans sa classe il y a quoi, 3, 4 mois, 5 mois, je ne sais plus. Et tu viens de Suède, c'est ça Ouais. Oui, ça fait 4 mois à peu près que je suis là. Ouais, c'est ça. Mes parents étaient au Loop de Suède. Ils sont arrivés donc pour travailler ici en Angleterre. D'ailleurs, désolé si j'ai un petit accent. Tu parles très très bien anglais en tout cas. Pour... Ah, merci. Ouais, je sais qu'en Suède on parle beaucoup anglais. Mais... Oui, mais bon, on sait jamais. Et à la base, nous on était plutôt plutôt au sud de l'Europe à la base. Avant d'être envoyé par-ci par-là. Donc, voilà. L'Angleterre est très sympa. Il ne fait pas trop froid aujourd'hui. C'est assez agréable. Non, on a un très bel été qui s'annonce. En tout cas, tous les relevés météorologiques du Loop assurent que ça va être un été chaud, un été beau. Donc, profitons-en, car en général, les automnes après ce genre d'été sont particulièrement durs. Mais bon, j'imagine qu'en Suède, ça doit être pire que ça. Mais ici, c'est la pluie. Hein, c'est la pluie, surtout le brouillard. Forcément, hein, avec la mer du Nord à côté, c'est pas évident. Ouais. Ouais. Bah, oui. Ouais, il fait froid, oui. Enfin, oui, en Suède aussi, il fait un peu froid. On m'a dit qu'en Suède, souvent, il y avait des jeunes personnes qui, quand il faisait trop chaud, elles mettaient des capuches parce qu'elles avaient trop chaud, en fait. Elles mettaient des capuches parce qu'elles voulaient se cacher du soleil. C'est vrai, ça ? Alors, de mon souvenir, non, pas trop. Je crois que c'était surtout au Japon qu'on faisait ça, mais... T'as été au Japon avec tes parents ? Oui, une fois, mais pour les vacances. Mais bon, c'était... D'accord. C'était très rapide. Je me souviens pas très bien. Vous voyez qu'elle remet ses lunettes de soleil, genre c'est... Oui, parce que j'ai des lunettes, alors pour expliquer, en fait, j'ai des lunettes de soleil, en fait, qui se relèvent et qui se transforment en lunettes de vue. Et donc,
Et donc plus en fait les gens sont en train de me parler, plus je suis en train de me cacher derrière les lunettes de soleil, tout ça, machin. Donc voilà. Benny est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise avec les gens. Est-ce que ça marche si je fais ça? Est-ce que oui, on voit à l'écran la photo de Benny, l'image de Benny. Montrer à les joueurs, clic droit et partager à tout le monde. Clic droit, voir l'image du personnage, non? Ouais, ça, c'est ça. Et après, tu fais montrer à tout le monde, partager aux joueurs. Montre aux joueurs, voilà. Comme ça, les viewers pourront voir la superbe illustration de Benny qui a été faite par Clem elle-même. Donc voici Benny. Et là, il y a ta mère Charlie qui se retourne vers toi et qui dit tiens d'ailleurs Charlie, les parents de Benny sont venus pour remplacer Diane. Tu sais Diane Petersen que tu apprécies tant. Soyons honnêtes. Hein, je sais tout ce que tu apprécies d'elle, mais bon, ça reste quand même une personne très très farfelue. Et donc elle a quitté le loop, hein, tu sais, il y a quelques mois déjà. Et c'est les parents de Benny qui la remplacent en fait. Quoi, Diane est partie? Oui, alors bon, Diane est partie, mais les rumeurs disent quand même que Diane a été licenciée. Mais Diane, elle faisait des expériences géniales. Tout le monde dit qu'elle était loufoque, mais non, pas du tout. Elle a pu montrer qu'avec la magnétrite, on pouvait pas que surélever les choses, on pouvait pas que l'éviter. Non, mais oui, Diane a fait des choses. Elle a énormément de talent, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas une personne facile à avec laquelle travailler. C'est vraiment, enfin, ah bah, tu sais, elle a. Diane, c'est une idéaliste. C'est... Bon, elle est un peu comme Charlie, très douée, très 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 douée, très jeune. Hein, elle a étudié, elle a bien compris le principe de l'effet magnétrine. Elle a étudié toutes sortes de choses au plus jeune âge. Et elle a commencé en fait à mettre ses talents. Ça a été une des premières scientifiques à rejoindre le loop. Hein. Et puis elle a commencé à faire ses inventions un peu dans son coin. Mais comme moi, elle voulait toujours aller trop vite. Et il y a quelques expériences qui ont été un peu trop délaissées, qui ont un peu causé quelques problèmes matériels, on va dire. Comme moi. Et puis il y a d'autres expériences qui ont causé plus de problèmes. Et je peux pas trop rentrer dans le détail, mais elle a un peu essayé d'accéder à des ressources du loop qu'elle n'aurait pas dû. Il s'est passé quelque chose de grave ? Il y a eu des blessés ? Non. Heureusement, ça a été remonté au directeur du loop suffisamment tôt. Et puis bon, il y a eu pas mal de remontées du fait que c'était compliqué de travailler avec elle, qu'elle était très égocentrique. Et en dépit de tout ce qu'elle a pu nous apporter, hein, parce qu'on utilise encore certaines de ses avancées scientifiques, hein. Mais bon, il a été décidé de se séparer d'elle parce que c'était pas possible, quoi. Et maman, je vois pas en quoi c'est un problème d'être égocentrique. Au moins, elle est portée sur son sujet. Oui, Charlie, oui, mais bon, quand tu travailles dans un centre avec d'autres personnes, t'es obligé quand même de. La seule personne qui arrivait à travailler avec elle, c'était un certain Donald quelque chose, qui travaillait avec elle. Et alors, la rumeur dit qu'il était follement amoureux d'elle. Je me permettrai pas de m'avancer là-dessus. Je le connaissais pas spécialement, mais c'était le seul qui arrivait à travailler avec elle. Et d'ailleurs, je crois qu'il est parti la semaine dernière. Il y a assez peu de temps. Pareil, les rumeurs font état qu'ils soient partis la rejoindre pour partir un peu en lune de miel parce qu'ils ont été dégoûtés de la région et de l'administration du loop. Ça fait une expérience amoureuse. De toute façon, je comprends rien, moi, ça. Ça viendra, Charlie, ça viendra. Ne t'inquiète pas. Et du coup, toi, Benny, tes parents, du coup, ils la remplacent. Ils sont aussi fortiches qu'elle? Je t'avoue, je sais pas trop. Moi, je sais pas trop ce que font mes parents. Je leur pose pas trop de questions et c'est très bien comme ça. Après, je peux pas hyper comparer. Je connaissais pas Diane et je connais pas vraiment ce que font mes parents. Donc après, de ce que j'entrevois d'eux, non, c'est pas des excentriques et c'est pas des égocentriques. Donc, mon avis, les expériences vont être potentiellement bien plus dans le cadre du loop, et peut-être que c'est ça qu'il cherche aussi.
Bah moi, je pourrais aller les voir quand même. Voir quoi? Les parents voir de Benny? Bah voir ce qu'ils font. J'ai vu, je voyais un peu ce que Diane faisait, ce que tu m'as montré. Mais du coup, s'il la remplace... Écoute, bah on pourrait effectivement leur en parler si tu veux. Je vais aller les voir tout à l'heure et puis je leur demanderai... Je te présenterai à eux et puis... On verra, peut-être qu'ils accepteront de te montrer leurs expériences. À mon avis, bon, ils commencent hein, tout juste. Il y a le temps de prendre en main le dernier sujet que Diane avait laissé et puis de, voilà, de trouver leur marque dans le centre. Hein. Tu sais, c'est un grand centre. Donc peut-être. Je vais aller leur en toucher deux mots et puis je te dirai. D'accord. Et la mère de Charlie s'éloigne pour aller voir les parents de Benny. Quelques temps plus tard, dans un endroit complètement éloigné d'ici, nous allons retrouver nos deux charmants petits-enfants, que sont Peter et Flakes, qui sont en route vers la ferme des parents de Flakes. Je vais changer la musique. Hop. Peter, Flakes, vous rentrez de l'école. Alors vous n'êtes pas du tout dans la même classe parce que vous n'avez pas du tout le même âge, mais vous connaissez. Et vous rentrez de temps en temps ensemble. En tout cas, aujourd'hui, tes parents, Peter, sont à la ferme. Donc c'est aussi pour ça que tu rentres avec Flex pour les retrouver avant de rentrer chez vous. Et vous êtes sur le chemin qui mène à la ferme des parents de Peter. Que faites-vous? Des parents de Flex, pardon. Ah ouais, je suis un peu foufou et je rigole un peu dans... Pour tout et pour rien, j'essaie un peu d'attirer l'attention de Peter, qui est un peu comme une sorte de grand frère, et c'est un peu le seul copain que j'ai dans le coin, même si j'essaie de m'intégrer au mieux avec les grands, mais ouais, j'essaie de me rapprocher malgré la différence d'âge de Peter. Et je suis là, oui, Peter. Est-ce que tu veux qu'on passe à la maison après? Comme ça, après, je pourrais sortir Andy et on pourra aller faire un tour avec le chien, on pourra aller dans les bois à côté, et puis ça va être cool, et puis on n'a pas besoin d'entrer tout de suite, puis de toute façon, les devoirs, ça peut attendre, hein, de toute manière. Hein, donc, on peut aller jouer après, ça te tente? Ça peut être sympa? Si tu veux, faudra pas que je rentre trop tard, j'ai 2-3 courses à faire, faut que j'aille voir une ou deux personnes. Ouais, bah on peut aller voir les deux personnes en faisant des courses, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Ça peut être cool. Je peux prendre le chien et puis on peut aller se balader, non? On verra. Souvent, c'est des courses un peu spéciales, tu sais. Souvent, il vaut mieux que j'aille voir ces gens-là tout seul, parce que bon, ils me connaissent moi, ils me font confiance à moi, tu vois. Mais si je viens avec trop d'autres gens, ils vont se méfier un peu, tu vois. Ah, mais de toute façon, je peux être discret, tu sais. Je peux me cacher, je peux faire genre, je suis à côté, je suis comme ça. Et on me voit pas. On verra. Faudra que je leur en parle d'abord, et puis... Puis bon, quand, peut-être un peu plus tard, je te présenterai certaines personnes. Trop cool, trop bien. Tu vois un peu toi aussi, tu vois. Ouais, carrément, ça va être trop bien, ça va être super. Puis on rentre, je pense, comme ça. Alors juste, donc vous avancez comme ça sur le chantier, et puis en arrivant vers la ferme, tu vois ta mère, en fait, qui sort de la ferme, qui dit « Ah, William, t'es là Viens, il y a un problème, Indy s'est blessé. » Quoi? Comment ça? Bah, on l'a vu, elle est revenue de sa balade, elle était dans le champ, et elle est revenue, elle était un petit peu, elle avait la patte abîmée. C'est pas une morsure. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un peu plus une griffure à la patte, elle boite. Enfin, je sais pas si Indy c'est une femelle ou pas, d'ailleurs. Parce que je connais une chienne. J'ai vu un mâle, mais. Non, c'est parce que je connais une chienne femelle qui s'appelle Indy. C'est tiré d'Indiana Jones, bien évidemment, et de la femelle. Bien sûr. Donc, chien, donc je voyais ça ouais. Comme ça. Oui, donc. Ça c'est comme tu veux. Bon, alors c'est un mâle puisque tu le voyais comme un mâle. Donc Indy, il est rentré, et puis ouais, il a une espèce de griffure à la patte, mais c'est un peu profond. J'ai déjà les larmes aux yeux. Hein. Dès qu'elle. Ma mère a dit qu'il y a un problème avec Indy. Elle t'emmène dans la maison, dans la maison qui est à côté de la ferme, enfin à côté de la grange. Et effectivement, tu vois, il y a ton père qui a installé Indy sur un espèce de tapis, assez mou. Et puis tu vois effectivement sur la jambe d'Indy, il y a une espèce de griffure, mais ça ressemble pas du tout à une griffure de chat ou quoi que ce soit, quoi.
C'est infecté, c'est rouge C'est rouge, ça saigne un peu, c'est pas infecté parce que c'est très récent. Ok, et quand on touche, est-ce que ça a l'air de lui faire très mal ou est-ce qu'au contraire il sent pas trop? Tu sens que il sursaute un peu parce que bah il est blessé, donc il a mal forcément quand tu le touches, mais ça a pas l'air non plus d'avoir manqué de lui arracher la jambe et d'être hyper profond quoi. Mmh. Ça reste relativement superficiel, mais ça saigne un peu. Et puis en fait, en regardant ton chien, en caressant un peu ton chien, tu repères que vers les oreilles, tu vois, il y a un peu des poils qui manquent, comme s'il y avait quelque chose qui lui avait un peu arraché des poils. Je passe la main. Est-ce que ça a l'air de le faire réagir? Ouais, il écarte un peu la tête. Il a pas spécialement mal, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Tu vois que ça l'a un peu traumatisé ce qui s'est passé à ce moment-là. Ok. Je caresse sa tête un peu. Fais, papa, t'as vu? Il a l'air d'être blessé. Enfin, il manque des poils derrière les oreilles. C'est bizarre, non? Ouais. C'est assez bizarre. On dirait qu'il a été picoré. Je sais pas, c'est un peu bizarre. T'as jamais vu ça, toi, tu vois les moutons ou ce genre de petits poils Non, jamais. Si tu veux, tu peux me faire un jet d'analyse. Un jet d'analyse. Analyse. Je suis pas sûr que ce soit analyse la bonne compétence, mais. Juste, hop. Non, c'est pas analyse, excuse-moi. Tu vas me faire un jet de compréhension plutôt. Ouais, je sais. Mais, écoute, qui sait. C'est un échec. Tu te dis en voyant ça que, en tout cas, tu te dis que c'est pas un humain quoi qui lui a arraché des poils, parce que en fait les traces de poils enlevés sont toutes petites, et en plus bah la griffure va pas avec une griffure d'être humain déjà parce que tu vois il y a que genre trois griffures. Il n'y a pas plus de... Enfin, il y a trois griffures, donc tu te doutes que c'est pas un être humain qui a fait ça. Et tu saurais pas trop dire exactement ce que c'est, mais c'est clairement pas un humain qui a arraché des poils. D'accord. Il s'est battu avec une bête, peut-être Il s'est peut-être battu avec une bête, effectivement, ou pas. Peter, si tu veux, tu peux essayer aussi un jet de compréhension, si tu as envie de t'intéresser à la chose. Ouais, je regarde ça un petit peu de loin, je suis toujours un peu curieux... De ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Utiliser objet, non, ok. Ah, toi, tu as deux succès. Excuse-moi. Ok. Toi, par contre, ça te parle. T'as déjà vu ça, t'as déjà croisé des gus qui ont eu un chien ou un animal à qui c'est arrivé, et tu comprends que c'est une attaque d'oiseau. Alors, c'est assez étonnant. C'est un chasseur d'ailleurs qui t'a montré ça à la base, qui avait quelque chose à échanger avec toi et qui t'a montré son chien en fait qui avait été attaqué par un oiseau. Alors sur le chien du mec qui t'a attaqué, c'était plus gros que ça. Et il t'avait dit que c'était un gros aigle qui à un moment qui avait attaqué le chien, mais bon c'était des marques de cerf beaucoup plus grosses. Et puis il y avait effectivement des petites marques au niveau de la tête de l'animal. Mais qui était un peu plus profonde parce que c'était un gros gros oiseau. Là, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une attaque de rapace. La griffure comme ça avec les trois serres et puis les petits poils arrachés. Ça ressemble un peu à ça. Ok, bah je le dis du coup. Je dis ça a l'air d'être fait par un oiseau. Vous avez vu peut-être des rapaces? Des faucons ou qui tournaient au-dessus de votre champ? Des rapaces, non. Enfin, si, il y a toujours quelques faucons, ouais, des petits rapaces qui traînent, mais bon, c'est la campagne, hein, tu sais. Il y a des petits mulots dans les champs, il y a des rapaces autour, c'est normal, quoi. Mais ils n'ont jamais été agressifs envers la chienne, enfin, envers le chien. Hein. Et puis, là, je connais assez peu de rapaces qui seraient capables de s'attaquer à un chien comme ça. Par contre, on a trouvé quelques oiseaux morts. Ça m'inquiète un peu. J'espère que c'est pas une maladie qui toucherait l'eau ou le sol. Mais ouais, on a trouvé des pigeons morts, des une ou deux mouettes. Ouais, c'est pas anodin d'en trouver de temps en temps, mais là j'en ai trouvé presque une dizaine hein, depuis deux semaines.
Bon, c'était. Je sais pas. C'est peut-être lié. Je sais pas. Moi, j'écoute que d'une oreille. Je suis en train de caresser la tête du chien à moitié en pleurs. Limite trop en pleurs pour juste une petite griffure, en fait. Et là, au bout de quelques minutes, t'entends un bruit de voiture à l'extérieur. Et puis il y a quelqu'un qui, y a la voiture qui s'arrête, t'entends le bruit de la porte qui s'ouvre et tout ça. Et puis entre dans la maison Nathan, qui est le vétérinaire de la famille, enfin de la famille, oui, de la famille, puisque c'est le vétérinaire qui vient s'occuper un peu des moutons quand il y a des problèmes, et que ta mère en fait a appelé. Et qui vient, qui regarde un peu Indy, qui l'ausculte, qui tâte un peu la plaie, tout ça, qui dit bon, vous inquiétez pas, c'est ça l'a traumatisé, ça l'a griffé, mais vous, j'ai mis de l'antiseptique, je vais lui mettre un bandage et ça va lui faire mal pendant une petite semaine, mais ça va pas s'infecter, donc tout va bien aller, votre chien recommencera à courir dans peu de temps. Ah, on va pas lui couper la jambe alors. Ah, attends, non, Indy, non, on va pas te couper la jambe. Ah, Indy, t'inquiète pas, mon garçon. Je fais des bisous. T'inquiète pas, mon garçon. Ton chien va guérir très vite. L'overreact. C'est ça. C'est tellement ça. Non. Et Indy. Il a une griffure. Et puis, une fois dit ça, y a, tu vois ton père. Flakes qui retourne en fait dans le bureau, dans la grange, puisqu'il est juste passé parce qu'il était avec les parents de Peter. Et donc il lance un petit regard quand même à Peter, et puis il retourne dans la grange, et puis sans trop te regarder, Peter, il dit bon, j'ai bientôt fini avec tes parents, de manière un peu sèche comme ça. Et puis voilà. Est-ce que vous faites quelque chose? Pour le coup, moi, il n'y a que le chien qui m'intéresse, donc je n'entends absolument pas tout ce qui se passe à côté. Et je suis déjà en train de jouer un peu avec ses pattes et tout, j'ai pas fait attention à la réflexion qu'a portée mon père sur Peter. Ok. Est-ce que, Peter, tu fais quelque chose? Non, moi je lui dis, bah écoute, si ton chien est un peu fatigué, un peu blessé, vaut peut-être mieux que tu t'occupes de lui. On ira se balader ensemble une autre fois. C'est sûr, parce que il va mieux, donc il va se reposer, il va faire dodo, donc je peux sortir, ça me dérange pas. Non, occupe-toi de lui, il a besoin de toi. T'es sûr? La prochaine fois, comme ça, si je dois aller voir quelqu'un et que tu dois être là, je pourrai le prévenir, qu'il soit au courant, quoi. Cool, c'est promis, hein. Ouais, t'inquiète. Un finger, hein, comme vous dites, hein. Finger in the nose. C'est ça. Et au bout d'un moment, t'as tes parents, Peter, qui rentrent dans la maison, l'air un peu dépité, qui font un petit hochement de tête à la mère de Flakes. Ils ont pas l'air hyper ravis. Et puis ils te disent de venir et ils t'emmènent vers la voiture pour rentrer chez vous. Ok, bah je dis à demain, à Flakes. À demain. Et puis je vais voir mes parents sans leur dire spécialement grand chose. Et vous prenez la voiture et vous rentrez chez vous. Le lendemain, vous vous êtes tous retrouvés chez Charlie. Parce que Charlie, en fait, elle a une caravane dans son jardin. Benny, ça lui a beaucoup rappelé la caravane qu'elle avait dans son jardin chez sa grand-mère, en Suède. Et puis, vous autres, bah, c'est là un peu que vous vous retrouvez, parce que vous savez que c'est un lieu calme et que les adultes viennent pas trop, déjà parce que c'est l'endroit de Charlie, et puis parce qu'en plus c'est quand même bien le bordel, et donc c'est l'endroit où vous aimez bien vous retrouver, et là vous êtes tous les quatre dans la caravane de Charlie. Donc Charlie, si tu veux nous parler de ta caravane. Si je mets pas le son, c'est mon endroit, c'est à moi ici. Alors vous faites attention à tout ce que vous touchez, hein. Si vous touchez après, c'est vous rembourser, hein. Ok. Moi, pendant que tu dis ça, en fait, je sors une petite barre de chocolat de l'intérieur de ma chemise. Et puis, je suis en train déjà de commencer à la manger. Mais tu sais, je regarde comme un gosse tout autour de moi. Enfin, elle est vraiment trop bien, elle est vraiment trop géniale. Et en fait, je m'en fous partout sur les doigts. Et puis, de temps en temps, je pose la main sur le mur pour toucher un truc. Je prends un objet et en fait, je fous du chocolat partout. Flex! Quoi?
C'est pas moi. Ton chocolat. C'est Benny. Viens voir avec ta main. Viens voir avec ta main. Quoi? Quelle main? Viens voir. J'ai rien. Avec ta main, avec ton chocolat. Tiens, j'ai créé un nouveau savon, on va aller le tester tout de suite, tiens. Quoi? Hein, voir tes mains. Non, mais j'ai créé un nouveau savon. Mais si, vas-y, prends tes mains. Hop, je prends tes mains. Mais si, hop. Alors, ce petit savon, j'ai fait avec des poils de chien. Et tu vas me dire si c'est... on m'a dit que c'était assez facile pour enlever toute la crasse, du coup. Alors, on va voir. Dans tes mains, tu prends ses mains. Mais ça brûle. Mais non, ça brûle pas. Qu'est-ce que tu mets dans ton savon, là? Fais gaffe. J'ai mis des poils de chien et j'ai mis aussi du bicarbonate de soude. Ça va ensemble. Regarde, tout ton chocolat est parti. Ouais, mais il y a pas que le chocolat qui est parti, j'ai l'impression. T'as dû mettre beaucoup de bicarbonate là-dedans. Hein. Il a les doigts rouges, c'est pas très grave ça. À mon avis, pas que. Qu'est-ce que... Charlie, arrête un peu, regarde. On va dire que tu lui fais mal là. Bon, et puis. Toi, le. Charlie, t'es pas gentil. Pour info, HRP, du savon, normalement, ça se fait avec de l'acide chlorhydrique et de la soude. Hein. Donc, si tu doses pas trop bien ton truc, tu risques de faire des mains de fête. Ouais, il y a moyen que ça décape bien fort. Ça décape bien. C'est ce qu'il vient de faire. C'est ce que je vais faire. Et du coup, je pleure à moitié. Je m'écarte de toi, je vais me poser sur un canapé qui doit traîner dans un angle. Et je ressors une barre en chocolat et je me remets à la manger en pleurant. Ça va, Flex? Bah tiens Charlie, tiens Flex, j'ai créé, j'ai tricoté pour toi et pour moi une petite laine faite avec les poils de mouton. Donc, quoi ouais. C'est pas les poils de chien par hasard ou dans non, lequel tu as du bicarbonate aussi. Mais non, j'ai fait ça avec de la laine, avec du mouton. Et puis c'est juste qu'après je l'ai mis avec du crottin de cheval pour que ça sente mieux quoi. Quoi? Tiens. Oh là là. Je fais changement. Je pose ça de côté. Et alors que t'es en train de, tu t'es un peu renfrogné dans ton coin et t'es en train de manger ta barre de chocolat et t'es à côté de la fenêtre de la caravane et là t'entends une espèce de petite voix métallique qui dit chocolat. Qui a dit ça? J'ai un son. Il y a quelqu'un qui. Il y a un son en fond, non? Ah. Tu peux baisser, s'il te plaît. Pardon. Tout le monde en profite. C'est mieux là. C'est mieux, ouais. Eh, le micro, il est vachement sensible. Hein. Il est bien sensible. Ouais. Hein. Yes. Donc ouais. Hein, qui a dit ça? Non, qui a dit quoi? De quoi tu parles? J'ai entendu chocolat. Personne dit chocolat? T'entends des voix? Fais voir tes oreilles. Hein? Non, touche pas mes oreilles! Et je te pointe ma barre de chocolat comme ça, comme une épée, dans ta direction. Chocolat. Hein? Vous avez entendu là? On a entendu ou pas? Non. Oui, vous avez tous entendu. Ah, d'accord. Bah, du coup, je m'approche et je regarde par la fenêtre d'où ça vient. Et là, t'entends un petit bruissement d'ailes et tu vois un pigeon. Qui se pose et qui te regarde et qui dit chocolat. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Chopez-le! Oh, c'est trop cool! Attendez, faites pas de gestes brusques. Sinon, il va s'envoler. Il fait chocolat, mangez. Il a une espèce de petite voix métallique. De petites voix métalliques comme ça. Il n'y a pas spécialement son bec qui bouge, mais vous entendez ce truc. Puis en fait, vous entendez un deuxième bruissement d'aile et puis un autre pigeon. Quasiment identique, carré qui fait chocolat, manger. C'est et l'autre qui fait pigeons, chocolat. Ils sont pas mécaniques ou. Ah bon, ça a l'air en tout cas d'être des vrais pigeons. D'accord. Ouais, mais avec une voix métallique quand même, donc. avec une petite voix métallique. C'est le ratio, il est vite fait. Ils sont super mignons, j'aime beaucoup. C'est trop mignon. Cool. Chocolat. On peut les toucher? Je tends ma barre de chocolat en même temps que Benny essaie de les toucher. Et là, le pigeon il te regarde, il fait pour moi? Oui, vas-y. Ah, c'est il s'approche comme ça. Il se retourne vers l'autre pigeon. Il fait porno. Et l'autre pigeon, il fait chocolat. Et il s'approche tous les deux. Il commence un petit peu à picorer, comme ça. Ouais. Et puis ensuite, il y en a un qui se retourne, qui fait manger. Et il y a genre deux autres pigeons qui arrivent. Et vous avez quatre pigeons, comme ça, qui sont en train de dire manger, chocolat. Moi, un peu inconscient, je suis toujours en train de l'entendre. Je vais vous retourner. Vous avez vu, les gars? C'est trop bien.
Alors fais gaffe parce que si, alors déjà des pigeons qui parlent c'est chelou. Si tu attires tous les pigeons de la région, fais peut-être gaffe. Genre laisse leur la barre de chocolat et recule-toi un petit peu. Mets ton bras en entier pour voir. Non, arrête. En fait, j'allais laisser mon bras et quand Charlie me dit de laisser le bras, je fais un mouvement de recul. En fait, non. Je retire la barre de chocolat, je touche à rien. Charlie. Putain, mais t'es pas drôle. Mais tu m'as fait mal. Et là, quand tu laisses ta barre de chocolat, vous observez un truc assez bizarre, enfin, pour ceux qui connaissent un peu les oiseaux, c'est qu'au lieu de se jeter sur la barre de chocolat comme des pigeons classiques, vous les voyez qui, avec leurs petites pattes comme ça, ils prennent la barre de chocolat, et puis ils s'y mettent, il y en a deux qui tiennent la barre de chacun d'un côté, et puis il y en a un qui commence à la découper en quatre parts. Et celui qui vient de la découper, il en prend, il tend vers celui qui était à l'extrémité, il fait pour toi. Ensuite, il tend à l'autre, il fait pour toi. Il tend au troisième, pour toi. Et puis il prend la dernière part, il fait pour moi. Et il commence à picorer leur petite barre de chocolat. C'est la chose la plus chelou cool que j'ai vue. Non. C'est trop cool. C'est super bizarre. Non, c'est bizarre. Ouais, moi je suis plutôt sur bizarre aussi, ouais. Je m'approche des pigeons doucement. Et puis je regarde un. Puis je prends un air décontracté. Je suis en train de mâcher une fume. Je dis, comment tu t'appelles? Il te regarde, il fait pigeon. Ouais, c'est ça. Hein. Et lui, il s'appelle comment? Pigeon. Mmh. D'accord. Et vous êtes combien? Pigeon. Ok. Il y a eu un moment où ça a bloqué. Bon. Mais c'était pas mal. C'est trop cool. Et ensuite, il te regarde, il fait manger. Peter, tu penses à quoi? Je pense à rien du tout, je trouve juste ça extrêmement bizarre. J'essaye, sans faire de gestes brusques, sans faire peur à l'oiseau, j'essaye de m'approcher un petit peu et de regarder s'il a quelque chose de bizarre, parce que cette voix, elle doit bien venir de quelque part. Donc j'essaie de regarder s'il a une sorte de haut-parleur quelque part, un dispositif qui permettrait de faire du bruit. Alors effectivement, tu vas me faire un jet, tu vas me faire un jet d'analyse. Attends, c'était pas son bec qui bougeait depuis tout à l'heure? Non, c'est pas son bec qui bougeait depuis tout à l'heure, non. Vous voyez pas de bec. Un jet d'analyse, ça va être nettement moins bien que tout à l'heure. Ouais, c'est nettement moins bien. Tu comprends effectivement qu'il doit y avoir quelque part un équipement électronique qui doit produire cette voix, parce que déjà, tu vois pas le bec bouger. Quand il parle, effectivement, ça a pas l'air de venir spécialement du bec, ça a l'air de venir d'ailleurs. Mmh. Et puis de toute façon la voix est métallique et ressemble à un micro quoi. Mais Peter, comme ça là tu vois rien de particulier. Peter, essaie d'en choper un là. Non, je crois savoir, il faudrait soulever délicatement l'aile. Je pense qu'il devrait y avoir normalement un haut-parleur ou quelque chose juste en dessous. Peter a raison, il y a forcément un haut-parleur quelque part et je crois que c'est juste en dessous l'aile. Alors quand vous approchez un peu trop près, il s'écarte quand même. Hein. Mmh. Ils font pas toucher. Manger, et il s'écarte un peu. Flex. Il ne s'envole pas parce qu'ils ont quand même le truc, mais. T'as encore du chocolat ou pas? Ah bah, évidemment, j'ai encore du chocolat. J'ai une vieille barre un peu toute chauffée, tu sais, un peu fondue. Oui. Flex, pose une de tes barres dans la pièce pour qu'on puisse en réussir juste à en attraper un ou juste soulever l'aile avec des petites tiges. Y a pas des petites tiges quelque part? Mais si, y a toujours des tiges, tiens. Charlie, ouais, t'as pas juste une cage ou une boîte? Si, j'ai une cage, hop, je vais fouiller le truc et hop, je ressors une cage un peu électrifiée. Non, non, il faut beaucoup plus rapidement que... Il faut des petites tiges, comme des baguettes chinoises. Yeah. Il faut pas leur faire peur et il faut pas les capturer. Je me méfie. Tiens, voici mes baguettes avec lesquelles je mange... J'ai mangé mon petit soupe, ma petite soupe de nouilles que j'ai lyophilisée moi-même. Ok, d'accord. Tu sais que potentiellement tu vas mourir jeune. Du moment que j'ai expérimenté plein de choses, moi ça me va. Hein. Ah, ok. Est-ce que je peux essayer de soulever l'aile délicatement Alors effectivement, vous avez fait quoi pour les attirer? Parce que pour l'instant, ils sont toujours sur le bord de la fenêtre. On a mis du chocolat alors, sur la table.
pour l'instant, j'ai pas mis de chocolat. En fait, je disais que c'était ma dernière barre et. Bah, mets-en juste un morceau. Oh, flex, c'est bon. C'est pas souvent qu'on a des pigeons qui parlent, quand même. Bah, ouais, mais ils ont déjà eu ma barre d'avant. Oh, flex, si tu veux, j'ai créé une petite pâte à tartiner qui est dans non, le frigo. Non, Charlie, t'arrêtes tout de suite. Alors, si tu veux, flex, alors, attends, bouge pas. Je dois avoir quelques pennies dans mon petit sac. Je peux te payer une barre de chocolat si tu veux, mais il faut absolument qu'on trouve. Quand tu dis chocolat, quand tu dis barre de chocolat, t'as les quatre pigeons qui font chocolat, 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 chocolat. Alors, je regarde les pièces, je regarde Charlie, le mot pâte à tartiner a fait un peu écho. Et je me fais, oh, vous êtes chiant, c'est ma dernière, mais d'accord. Hein. Et j'ouvre, alors du coup, il y a le papier qui est vraiment tout collé sur nous. Et je m'approche avec la barre dans la main, tout doucement. Et est-ce que je peux, du coup, sachant que mon objet, est-ce que je peux tenter de soulever l'aile ou d'essayer de trouver quelque chose tout en tenant la barre? Tu peux. Tu peux totalement, tu devras me faire un jet d'agilité et tu rajouteras 2 dés en plus puisque tu utilises ton objet. Son objet c'est une barre de chocolat, c'est ça? Son objet c'est une barre de chocolat. Oh merde. Ah. Est-ce que je peux retenter du coup, relancer? Bah tu peux soit en cochant un état, soit en utilisant ta fierté si c'est potent, enfin si ça sert. Ou en utilisant un point de chance. Ouais, je vais utiliser un point de chance. Ça sent que le gamin est jeune. Ah yes. Ouais, grave. Donc le pigeon arrive. Enfin, comme tu tiens le truc, ils sont que deux. Enfin, il y en a qu'un seul qui vient. Déjà pour voir s'il peut négocier de choper la truc. Et puis il arrive comme ça. Et puis en fait, il ouvre un peu ses ailes, tu vois, pour essayer de choper avec sa patte. Il commence pas à le picorer. Il essaye de choper avec sa patte la barre de chocolat. Puis tu sens qu'il galère un peu parce que la barre elle est un peu molle. Et quand il lève l'aile, bah t'arrives en fait à délicatement lui prendre l'aile. Et effectivement, tu arrives à avoir un espèce de petit machin comme ça, tout petit haut-parleur, qui est calé sous l'aisselle du pigeon. Oh, regarde, Peter. Donc là t'as attrapé le pigeon, quoi. Enfin, tu le tiens du bout de l'aile, il n'est pas fermement attaché, mais bon, t'as déjà une prise sur lui. Okay, bah et il essaye un petit peu de, tu vois, il galère avec ses pattes engluées dans le chocolat pendant que les autres pigeons ils sont en mode chocolat. Je vais pas tenir très longtemps. J'essaie de regarder comment le haut-parleur est fixé et si on peut le retirer. Moi j'ai ma grosse loupe que j'ai chopée et je regarde directement aussi. Et ben ceux qui observent le pigeon peuvent me faire un jet d'analyse. Ok. Dessus, donc alors analyse. Donc, t'as déjà... c'est toi qui as fait un jet d'analyse alors. Vous avez pas mal de succès, donc vous repérez que oh yes. Ouh. Parfait, vous avez tous bien réussi. Alors vous repérez en fait que le haut-parleur il est greffé au pigeon, il est vraiment encastré dans la peau. Et vous pouvez voir même des tout petits points de suture vraiment, et en fait le haut-parleur il dépasse un petit peu de la peau, c'est pas genre juste un truc accroché. Et pendant que vous êtes tous autour de ce pigeon là qui est en train de galérer avec son chocolat pendant que Flex le tient, et ceux qui sont de l'autre côté, en fait vous arrivez à repérer qu'à la base du cou du pigeon il y a aussi des petits points de suture. Et toi Charlie, bah, tu comprends que globalement, il y a peut-être quelqu'un qui a modifié ces pigeons pour leur donner peut-être de mettre des petits processeurs dans leur tête pour les rendre plus intelligents. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un m'a devancé dans les inventions. Tu voulais faire parler des pigeons? La dernière fois, j'ai utilisé le chat pour... Mais ma maman, elle a dit que c'était pas possible, alors du coup... Et là, de très très loin, de l'autre côté du mur de la caravane, de l'autre côté du jardin, de l'autre côté du mur de la maison, t'entends la voix de la mère de Charlie qui dit « On touche pas au chat !» Je me retourne, l'air un peu surpris. Ok, très bien.
Je suis toujours un peu à bout de bras, hein, en essayant de soulever l'aile et en essayant de me débattre avec ma barre. Ah ouais. Et le pigeon, voyant qu'il n'arrive pas à saisir la barre, en fait, il a commencé du coup à la picorer. Comme il peut, et les autres pigeons, ils sont derrière, ils ont l'air. Enfin, ça reste des pigeons, donc ils n'ont pas non plus une expressivité énorme, mais vous sentez qu'ils sont un peu deg, parce qu'ils seraient bien allés picorer le truc. Et du coup, t'entends certains pigeons qui font chocolat, et d'autres qui font on va bien, et un troisième qui fait partager. Oh, relâche-le, on en a assez vu. Mais c'est étrange. C'est étrange. Je relâche le pigeon et... Non, ah, c'est un truc de fou, et je me mets à manger la barre de chocolat. Non, mais... Charlie. Et tu moi, vois le pigeon moi, je suis avec ma cage électrifiée. Mais je l'avais préparé. Mais Charlie, on va pas garder un pigeon qui est potentiellement un humain. S'il y a des haut-parleurs ou si le pigeon a été transformé, forcément qu'il appartient. Ils appartiennent à quelqu'un. T'imagines si on retient le pigeon? Justement, non. C'est pour savoir d'où il vient. Moi, je vais faire pareil avec le chat. Non. Et là, t'entends ta mère, Charlie. On ne touche pas au chat. On ne touche pas au chat. Mais elle a mis des micros dans la caravane ou pas? Non, ça, à mon avis, c'est plutôt Charlie qui a mis des micros dans la caravane. Je m'approche des pigeons, s'ils sont non, encore là. C'est la mère qui a juste un espèce d'instinct, tu vois. les pigeons, celui qui était un peu orgueillé dans son chocolat, il galère un peu à remonter voir ses potes. Et puis les quatre pigeons, bah, du coup, ils sont sur le rebord de la fenêtre. Et pour l'instant, bah, ils regardent un peu l'air intéressé, Flakes, qui est en train de bouffer sa barre de choco. Et ils sentent globalement qu'il y a bientôt plus grand chose à manger, donc ils disent toujours un peu chocolat, manger, mais de moins en moins fort, tu vois. Et il y en a un qui commence à se retourner, il y en a un qui s'envole, qui va sur le toit, vous l'entendez en fait se poser sur le toit. Et il commence un petit peu à se désintéresser à ce qui se passe, comprenant qu'il n'y a plus beaucoup de trucs à manger, mais pour l'instant ils sont toujours là, enfin il y en a encore trois sur la fenêtre. Ok, bah du moi, coup... j'ai les mains pleines de chocolat et du coup de nouveau je fais pas gaffe et je me mets à toucher des meubles. En fait je me pose simplement et du coup je fous des traces de doigts partout. Oh Flex, tu vas te faire engueuler encore. Ah quoi, mais j'ai rien fait, pardon. Regarde tes doigts, mange-les, mets dans ta bouche. Mange tes doigts. Attention, t'as encore un peu de bicarbonate de soude, ça va piquer la langue. Et je regarde Flex et je montre juste le savon que j'ai créé et en mettant les temps vénères. Et je te regarde, c'est genre j'ai un fait, les mains dans le dos et je souris et en fait j'ai du chocolat plein les dents. J'ai une idée. Et si on suivait les pigeons? Forcément, à un moment donné, quand ils vont capter qu'il n'y a plus de chocolat ici, on peut essayer de voir où ils vont. Bah on peut carrément leur demander. Hey, les gars, on a plus de chocolat, mais vous venez d'où? On pourra vous en donner plus si vous voulez. Et ils te regardent, l'air un peu étonné. Ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué que ce qu'ils sont capables de comprendre. D'accord. Ils se regardent, ils font chocolat, plus chocolat. Non, je sais. Plus manger. Ni. Maison. Maison. Plus chocolat. Maison. Et quand tu dis ça, effectivement, il y en a un deuxième qui s'envole, qui va rejoindre celui qui est sur le toit et qui va dire plus chocolat. Vous l'entendez un peu étouffé, plus chocolat, maison. Et quand voilà, et ensuite, bah, vous voyez les deux autres qui commencent à monter sur le toit et vous les entendez un petit peu piailler sur le toit et puis vous les entendez commencer à s'envoler. Faut qu'on sorte. On va essayer de leur courir après. Il y a encore le cinquième qui est là. Ou ils étaient 4 en tout? Non, ils étaient 4. Bah ouais, du coup, ok, bah on prend les vélos, on essaie de les choper. Alors effectivement, les pigeons, vous les voyez d'abord s'envoler dans un arbre. Vous les entendez un petit peu encore disserter. ensuite, ouais, bah littéralement, ils dissertent. Alors ils dissertent comme des pigeons, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent... Trois parties. Ouais, c'est ça. Vous voyez d'autres pigeons autour, mais qui ont l'air peut-être des pigeons complètement normaux, qui les regardent avec leur œil de pigeons normaux, et notamment quand, par exemple, il y a un des pigeons que vous avez vu qui va se poser sur une branche où il y a déjà un autre pigeon, et puis en fait, quand il commence à parler, celui qui vient de se poser, bah, celui qui est déjà sur la branche, il se barre, l'air complètement effrayé. Et puis ensuite, vous voyez les quatre pigeons que vous avez repérés qui partent, et vous allez les suivre. Et vous allez, au bout d'un moment, donc vous prenez vos petits vélos, hop, vous commencez à les suivre. Ils remontent un peu vers le nord. Et à un moment, en fait,
avant même de quitter la ville, hein, ça fait pas longtemps que vous les suivez, ils s'arrêtent sur un arbre. Et là, vous voyez d'autres pigeons qui arrivent, d'autres endroits. Et tous les pigeons qui arrivent se réunissent dans quelques branches. Et là, vous les entendez parler, tous ensemble. Y en a qui disent manger, il y en a qui disent nid, il y en a qui disent branche, il y en a qui disent bois. Ils disent des phrases simples, mais vous les entendez tous disserter les uns avec les autres. Et puis au bout de quelques minutes, ils commencent tous à dire nid, maison. Et ils se... tous ensemble, vous voyez peut-être une vingtaine de pigeons, comme ça, qui s'envolent de cet arbre et qui repartent. Vite, faut les suivre. Suivez ces pigeons. Thank you.